Salut tout le monde! Je croyais que j'avais pas démuté le micro. Ça va les amis? Draft les gars? Ouf, oui! C'est quoi ce choix de capitaine? On va prendre le roi bien sûr, mais c'est quoi ce choix sérieux? Pas mal, on va prendre Dembouz. Il y a Willian, mais bon, on va prendre Dembélé. Son les gars ou Obam? Vas-y, je vais prendre Son. J'ai envie de tester Son. J'ai pas trop testé. En plus, vu qu'il y a un lien avec Pelé. Il y a Neymar aussi, les gars, qui est un. Non, là, faut que je prenne Neymar. Son, je vais le mettre MOC. Bah oui. Je vais prendre Neymar, je vais inverser les deux. Parce que de toute façon, les deux sont athées, donc c'est parfait. Putain, il y a De Jong. Bah, je vais prendre De Jong. Puisque, attends, la pioche. Il y a la pioche. Les gars, là, la pioche, il a un lien avec Dembélé. Non, bah, la pioche, il a un lien aussi avec Son, c'est le mieux. Awar, c'est bien. On va inverser les deux. Et bah, le début est très kiffant. Tierney, Hernandez. Prendre Hernandez. Hein. Oh, mais il y a Van Dijk, mais Manolas. Putain. Van Dijk, allez. Il y a Bonucci, mais je peux mettre la porte en vrai. Bah, il y a Varane. Non, on va mettre Varane. Là, je me prends même pas la tête. Bah, là, peu importe. Hein, on va prendre Walker. Et bah, on a un minimum de collectifs partout. Et l'équipe est archi violente. Hein. Sauf le goal. Vas-y, il nous faut un bon goal. Une icône, Van der Sar. Ça, on a un lien vert. On a tout. Suffit d'appeler les joueurs maintenant, les gars. Eriksen. Eriksen peut coller. Je vais prendre Eriksen pour le moment. On est d'accord que là, ça, il est en orange, Adji. Ouais. Bon, on va avoir une équipe ultra offensive. Hein, on s'en ouf. Bon, là, on va prendre Mané. Hein. Pff, on va prendre Sané. Hein. Ah, Vinicius. Il est bon aussi, Vinicius. Il est pas mal. Hein. Les gars, c'est la première fois. Première fois que j'ai Mbappé en draft. Et du coup, est-ce qu'on peut pas faire ça? T'as une attaque de fou. Ah bah, je confirme. J'ai pas... Bah, tout est fou, la défense, le milieu. Putain, ils veulent le mettre absolument, Martial. Je vais PPLP, c'est pas grave. Je préfère PPLP avec une grosse team. Non, c'était n'importe quoi. Là. Full offensive, on s'en fout, les gars. On est là pour attaquer, nous. La team, elle est... Bon, c'est trop offensif, on va pas se mentir. Parce que je me demande qui peut défendre là-dedans, mais tranquille. Bon, j'ai une meilleure team que lui. Ça veut pas dire que je vais gagner, mais j'ai une meilleure team que lui. Pour Pelé. Oh là là là, la connexion! C'est pour quel monde qu'ils font une pub en commun, les deux, là? Si, c'est Hublot, ok. La pub qui était incroyable aussi, la photo, c'est Louis Vuitton quand il y avait Maradona, Pelé et Zidane qui jouent ensemble au baby-foot, genre. C'est incroyable, cette pub. Il y a une petite connexion entre les deux. Bon, après, le gars se jette, hein, mais... Ouais, non, là, le gars, pour le moment, il défend pas super bien. Mbappé. Bon, je crois que le match a été rapide. Bon, après, peut-être le mec, il vient d'avoir le jeu aussi. Hein. Faut pas... Voilà. Ah. Et ben, un premier match qui s'est bien passé, on va dire. Voilà, il y a une doublette devant qui est solide. Rachète une manette. J'en ai des manettes. J'ai une manette couleur or. J'ai une manette dans un coffret que j'ai pas encore ouvert. Ligue des Champions. Crevard comme je suis, les gars. Concours de jongle. Tu sais, quand je suis allé voir la finale de la Ligue des Champions. Bon, j'ai pas fini premier, j'ai fini deuxième. En fait, tous ceux qui passaient, il y avait beaucoup de monde, ils pouvaient faire un concours de jongle. T'avais un essai, et celui qui faisait le plus de jongle, il repartait avec une PS4. Et le deuxième avec une manette. Bah, moi, je passe devant, je vois qu'il y a un truc à gratter. Je me dis, sur un malentendu, on tombe, tu vois. Genre 180 jongles, un truc comme ça. J'ai dû m'arrêter vers les 180, ça se trouve même plus. Franchement, j'étais vers les 200, je sais plus. Donc, je fais ça, et j'étais premier à ce moment-là, tu vois. Et en fait, il y a un freestyler qui est passé un peu après. Et tu sais, moi, j'avais pas vu. Et tu sais, il mettait petit à petit à jour. Et le mec, il a fait, je crois, 600 jongles ou quoi. Donc, bon, j'ai pas trop de regrets. Du coup, j'ai fini deuxième. J'ai gagné une manette. Tu sais, la manette, la édition Ligue des Champions. Là. Demain. Oh merde, j'ai trop mal défendu. Faut que je décale le goal. Heureusement que je l'ai fait. Non, mais pour moi, c'est ce qu'il faut faire là. C'est juste qu'ils tendent la jambe trop facilement, les joueurs. Oh là là. Mais vas-y, nitège-le. Voilà. Voilà un beau but, putain. Je m'en sors bien. Hein. Ouais, moi aussi, il faut que des passes de merde. J'arrive pas à me dégager. On va le manger. Putain, heureusement qu'on a des grands goals. Faut tenir, mais... Péno ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bah non, mais... Ouais, en plus, je reste au milieu, vas-y. Et là, tombe Neymar. Il y a plus péno là que le truc de Varane avant, ma parole. Non, mais franchement, le péno, j'aimerais bien. À mon avis, le joueur, il a sauté, il allait mettre une tête. Et genre, Varane, il a pas sauté, il est passé en dessous, il lui a pris un peu les jambes, il l'a déstabilisé. Mais ça, je contrôle même pas carrément. Je contrôlais même pas Varane. Là, c'est l'intelligence artificielle, c'est abusé. Pourquoi je vous écoute pas plus souvent? Mais là, c'est parce que c'est Pogba, tu vois. C'est Pogba et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à en faire un peu comme ça, entrée de surface. Parce que je me retrouve souvent en position de frappe. Entrée de surface. Tu vois, là, j'ai vu que c'était la pioche. J'avais un peu de champ en plus. Je me suis dit, on va tenter l'enrouler.
J'ai rien pu faire. J'arrivais pas là, il m'a trimballé avec son Mbappé. Mais laisse l'avantage. Il était hors jeu, Pelé. Mais j'ai cru qu'il était au même niveau que l'autre. J'étais sûr qu'il était pas hors jeu. J'ai craqué total. Il y a un drag back. Yeah! Qu'est-ce qu'il a fait, Mbappé? Mais non, t'as pas le droit. C'est peut-être un time rouge vu que j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton, non? Je sais pas. Mais c'est pas pour lui! Arrête de la donner tout le temps à Neymar! Ah, franchement, ils m'ont fait craquer dans ce match. Je restais en retrait parce que là, franchement, s'il a mis en retrait. Bon, pas de penalty, Varane. Il s'attendait pas au tout droit, je lui ai fait un tout droit de l'espace. Il est bon le mec, hein, dans les petits espaces, il est bon. Parce que là, il pouvait pas tirer en croisée. Donc il a bien joué le coup de tirer premier poteau, c'est... Oula, là j'ai fait le fou. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bruce, pourquoi tu ne fais pas coach? Oh, parce que je ferais un piètre coach peut-être. Oh là là, l'enfant prodige, cliché. Bon, les équipes que je croise sont pas mal, mais j'ai une équipe qui est quand même plus cheatée. Lob. Ah! Merci. Merci le roi. Allez Kiki. Non mais tu vois là tu choisis trop la facilité. Et tu comprends pourquoi. C'est Mbappé, je me suis dit il peut faire la diff. Et il l'a fait, il a tèche l'autre, il est horrible le but. Mais c'est Mbappé en 1 contre 1 comme ça. Tu le lances en profondeur, tu sais qu'il y a une chance sur deux qu'il te fasse une folie. C'est pas Mbappé, jamais je le lance. Ney, ney, je sais même pas c'est quel tour. C'est le troisième ça, non? Bon. On a fait, ouais, de Rashki, je crois, premier match, troisième. Je crois que c'était le troisième tour. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la Pulga. Sané, j'ai pas trop joué encore. Ouais, il y a une grosse équipe. Parce que la défense est bien, le milieu est pas mal. Il y a le roi, il y a la Pulga. Et il s'appelle Burger King. Il a pas l'air mal. Switch les joueurs avec le stick, fait tous les trucs et tout, je vois le délire. Non, tu vois, là, ça a tiré poteau, ce qu'il a décalé le goal. Il l'a décalé de mon côté, du coup, ça a décalé la trajectoire. Là, il prend le Manu, donc j'aurais dû tirer de l'autre côté. Il m'a niqué. Oh, putain, passe, Mbappé, là, c'était fini. Non. Oh, c'est horrible, surdomine, regardez ce vieux but. Non, c'est horrible. Ah, ça va pas être facile, ce qu'il joue bien. C'est, franchement, c'est trop. Comment Mbappé rate ça? Non, c'est trop ces matchs-là. C'est truqué. J'en peux plus. Heureusement, il n'y a pas le compte derrière. Là, par contre, il m'avait tué avec son pelé. C'est inarrêtable. En 1v1, c'est trop dur. Vas-y, dégage, chat. C'est la mi-temps. Cette tête qu'il a fait. Putain, son goal Manu, il me stresse. Il le prend à chaque fois. Lob. Pourquoi je lob? Pourquoi je lob? Tu vois, je suis obligé de faire ça parce qu'avec son goal manuel, si je tirais au début, ça rentrait pas. Parce que le mec est bon, mais je fais un gros match, j'ai rien à me reprocher. Tu vois, je perds comme ça, je peux rien, même pas m'en vouloir. Le mec, il maîtrise bien le goal manuel et tout, ce qui fait que c'est galère, je suis obligé de faire un truc en plus tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ah, il était bon, putain. Parce que je pouvais faire la passe à l'autre, je vais sur l'autre, mais il a bien défendu le fumier. Parce que je kiffe ce match-là, il est bien. Il est bien ce match. Mais tu vois, c'est un match, il se perd, je vais perdre avec presque le sourire. Presque, je dis bien. Il n'y a pas hors-jeu? J'ai de la chatte, j'ai de la chatte. Après, pour le moment, sur le match, je pense que c'est mérité, mais j'ai de la chenille. Ah, c'est loin d'être fini, maintenant s'il balance tout, il met pressing et tout, là ça va devenir un calvaire. Bah ouais, quand t'as deux mecs qui essayent de jouer et qui font pas même, je trouve c'est... Tu vois, ce genre de match, moi je surkiffe. Sur le 19, tu peux pas faire un match comme ça. Donne-la. Là, faut que je tire premier poteau. Non, m'a niqué. Comment il a pu le mettre là? Normalement, il doit le mettre là-bas, mais non.
Oh, là par contre je crois qu'il a eu de la réussite, c'est pas possible. L'enroulé but, oui mais à chaque fois il le met au côté évident, tu vois. Donc là je l'ai fait à l'instinct, j'ai même pas regardé ce qu'il faisait. Vas-y on va tenter. J'ai même pas regardé, je me suis dit, je vais, pour moi c'était obligatoire, il était là mais un truc de ouf. Si c'est volontaire, GG, bah ouais, c'est qu'il a sur-anticipé le truc, c'est ça. C'est que c'est pas un coup, c'est qu'il a sur-anticipé, c'est ça, c'est abusé. Après moi je déconne parce qu'il l'avait bien décalé, normalement je dois le voir et tirer de l'autre côté. Je l'ai vu mais c'était trop tard, j'avais déjà tiré en fait. Et bah, franchement, belle draft. Très très beau match, un des plus beaux matchs que j'ai fait sur celui-là. Parce que le mec était très bon, j'ai fait un bon match. Putain, si ça pouvait être que des matchs comme ça, ce serait un bonheur, mais absolu. Bravo à lui, je sais pas c'est qui, mais GG Burger King FC. J'ai pas pris beaucoup de buts, en plus j'ai pris 3 buts dans la draft. C'est pas les meilleures récompenses, mais c'est pas les pires. C'est pas les pires. Allez, on mérite un petit truc. Bon, ça sera pas pour celui-là. On mérite un BU à 39 de vitesse surtout. Bon, en général, quand tu fais des drafts de ouf, t'as de la merde. Et quand tu fais des drafts claqués, genre ouais, je sais pas, tu te fais éliminer comme une saucisse. Et en général, quand tu fais la saucisse, c'est là que t'as des gros trucs. Il avait des stats pas mal, il est bien, moi, je trouve, Léao. Parce qu'il est double 4, il est grand. Bon, il manque un peu d'agilité, mais il a pas des stats dégueu. C'est pas lent. T'as Dembélé, s'il était encore à Tottenham, ça aurait coûté cher, mais là... C'est pas rentable les drafts? Bah ça dépend, tu vois. Moi j'ai eu Rashford hier. Rashford, quand je vais le vendre, il va coûter 100k à peu près. Donc quand tu vas souvent en finale où tu gagnes les drafts, si, ça peut être rentable. Ça peut être rentable. Allez les gars, ciao ciao, bonne soirée. Ciao les gars.